Ok les gars, je finis le jeu ce soir, préparez-vous mesdames et messieurs, il est 21h, nous commençons le jeu. Enfin non, on commence pas, on est au chapitre 3, un truc comme ça, mais c'est le chapitre 2 de mon stream. Ok, je crois que je suis là. Moi j'aime bien l'ambiance. J'aime bien le... J'espère qu'on va avoir un cap, mais moi j'aime bien l'ambiance les gars. J'aime beaucoup... Même si les personnages sont difficilement aimables, j'aime bien l'ambiance. Ok. Mais les gars, je vais tous les buter parce que personne les aime en fait. Personne les aime. Pourquoi j'aimerais... Y'a pas un sub là pour le Super Bowl, merci. Un sub, deux sub, trois sub. Vous voulez que je vous résume l'histoire du coup? Je vous résume l'histoire. Nous sommes des chefs de colonie de vacances. Tout le monde est parti et c'est... Et pour baiser, tenter de baiser une meuf, un mec coupe la voiture, coupe les pistons d'une voiture, de notre voiture, du coup on peut pas rentrer chez nous. Donc on est obligé de passer une nuit en plus dans les bois, dans le chalet de colonie de vacances. Et du coup, le chef de colonie de vacances se barre parce qu'en nous prévenant que il faut faire attention et pas faire de bruit, rester chez nous. Qu'est-ce qu'on fait? On fait tout l'inverse, on met des feux d'artifice, on allume un feu, on essaye de s'entrelacer et de faire une orgie. Et malheureusement, on s'est disputé parce que madame a décidé de faire un bisou à un autre mec et pas à son mec. Et du coup, tout le monde a pété un câble et tout le monde se barre dans son coin. Et maintenant, on va devoir réunir la troupe et tous les fumer un par un. Je débile, on est au collège ou quoi? Mais non, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Donc voilà, elle... Chacun embrasse ce qu'il veut, c'est débile. Voilà, elle s'est barrée parce que... Elle a embrassé son mec, présumé à elle. Donc elle est bête, hein. Ok. Et je vais tous les envoyer en enfer. J'espère que vous êtes prêts. Ouh, il y a un indice là. Où y'a un indice là? Ah putain. Vous voyez bien ou vous voulez que j'augmente? C'est bien. Ça lag non? Ah ouais, je vois que ça lagouille un peu. Ouais. Attends. Ça lagouille? On est comment là? C'est bon ou pas? Augmente, on voit pas. Putain. Mieux. Mais ils m'ont pris tout ce que j'avais. Bon, ah, il y a la caméra là. Ils m'ont pris tout ce que j'avais. Donc mamie, elle est peut-être pas méchante, hein. Il y a la caméra là. Ok. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes, je te jure. Ils sont trop bêtes, sa mère. Mec, vraiment, personne se balade en forêt solo, quand même. Faut vraiment être un sacré dégénéré, quand même. Bon, je vais où, là?
Mais je suis au sanglier là. Ah, ça se trouve, il est retourné le mec. Non? Sauvé. Et voilà, à faire ses petits caprices. Moi, je te dis, on va tous les envoyer en enfer. Nick! Abby! Recommence! Je suis par là! Ah, j'aurais pas dû. Nick! Ah si, putain, ça va. Salut. Oh. Eh, j'ai trop peur de faire des actions, les gars. Salut. C'est... Ce genre d'action, c'est bien joué de leur part, parce que c'est dur à comprendre si oui ou non tu le fais. Elles sont dures. Là. Cheater. C'est le cheater, là. Prends 48 heures. Non, j'ai vraiment envie de mettre les 48 heures, là. Le petit bébé, là. Et viens, on se remet exactement là où on s'est fait attaquer par des sangliers. C'est allé trop loin. Je crois que ce jeu est allé un peu trop loin pour moi. Je comprends ce que tu veux dire. Irréaliste. À propos de ce qui s'est passé, alors toi et moi... Ah non, s'il te plaît, non. Non. Bon, direct, parce que... Direct, on va pas passer dans quatre chemins. On dirait qu'Emma a toujours eu un faible pour toi, hein. Quoi? Non, trop pas. Elle voulait juste rendre Jacob jaloux. J'ai juste joué le jeu. T'avais l'air ravi de jouer le jeu. J'étais content d'aider Emma à rendre Jacob jaloux. Mais hâte, c'est tout. De tous les envoyer. Allez hop, on y va, pourquoi pas. Ah, mamie est jalouse du coup maintenant. Non, ça c'est le loup-garou, mais c'est horrible parce que j'ai déjà l'histoire, les gars. J'ai déjà l'histoire. Donc là, il va sauter sur elle et je vais arriver avec le fusil à pompe, je vais la sauver. T'as entendu? On va voir. Donc ça, c'est des loups-garous, les gars. Les deux petits qu'il y avait sur la photo, c'est... Mec, si j'ai déjà l'histoire, les gars, c'est trop triste. Donc le chef de chantier là, il avait deux gosses qui sont pas venus cette année. Ces deux gosses là se sont transformés en loups-garous. Et tout le monde essaye de les chasser, c'est pour ça qu'ils appellent ça la soirée de la chasse là. Tu vois? Mec, si c'est ça, c'est terrible comment j'ai l'histoire au bout de deux heures de jeu. J'espère que c'est pas ça, hein, vraiment. C'est encore un sanglier. Ça fait pas ce bruit. C'est un ours. Trop rapide. Il est tellement carré sur les épaules, lui là. Il est carré. Ah. Mais il est con quoi. Mais t'es con. Mais il est complètement con. Allez, j'abandonne. Yes. Ah bah voilà, le fusil à pompe qui sauve tout le monde. Courir vers le camp, aider Nick. Mais courir vers le camp, qu'est-ce qu'on en a à foutre d'aider Nick? C'est fini ça. Eh, à chaque fois qu'on aide des gens, on crève. Et voilà, j'ai bien fait de courir. J'ai bien fait de courir, faut pas aider les gens. J'avais abandonné Nick. Deux fois. Je choisis tactiquement de me prendre le caillou. Se cacher, courir. Sachant qu'il y a un sniper qui me couvre. Je pense que je peux largement courir. Pas le time. J'ai gagné. J'ai un cardio, mon frérot, tu peux pas tester.
Idiot. Ça va être droite ou gauche? Grimper à l'arbre. Il me casse les couilles, frérot. Il me casse. Vas-y, on y va. C'était une mauvaise idée. Je pense que c'est une mauvaise idée. Clique. C'est une méga mauvaise idée. Le type, c'est un loup-garou. Tu crois qu'il grimpe pas? J'ai gagné! Bah ouais, il grimpe! Bien sûr qu'il grimpe! Elle a dit Nick? Mec, je suis tellement pris. Tire, sniper! Sniper! MDR, mais qu'est-ce que. Et grimper à l'arbre, ça m'a fait perdre un temps de malade mental. Je suis méga bête, je savais que c'était pas bon. Je suis tellement bête qu'elle va se cacher tout seul. Genre là, j'ai plus l'option. Cac! J'ai attendu le dernier moment pour gagner un peu plus de temps. Tellement que je suis un tryhard. Laisse-moi respirer, je t'en supplie, laisse-moi respirer. Je respire. J'ai gagné, j'ai gagné. J'ai grave bien fait d'abandonner Nick, les gars. Au moins, il a eu un bisou avant. C'est un jeu marrant. Ah. Mec, ce place rouge, tiens à vous le dire. Ce place rouge sera pas comme les autres. Y a pas de sens. Dans tout ce que je vais faire, y a pas de sens. D'accord? Donc attention à vous. Et lui, il est en train de pleurer parce que. Il est en train de pleurer, je te jure. Il a rencontré la meuf il y a 2 jours, tu sais, et. Ouais, il faut pas lui en vouloir. Tu fais probablement partie du gang. Bon, ça va être à deux, les gars. Pareil, je vais abandonner l'autre. Bon, ben, on dirait que t'as réussi à me trouver. Bien sûr. Sèche tes larmes, je t'en supplie, t'es tellement méga cringe. C'était plus marrant de venir ici en douce quand on avait peur de se faire choper, hein. Ouais, t'as raison. Il est gentil, Jacob, en vrai. Jacob, je croyais qu'on était d'accord. Ça, nous deux... C'était juste pour s'amuser pendant les vacances. Il est gentil, Jacob. Ouais. Non, je sais. C'est juste que... C'est juste que t'adores te donner en spectacle. Oh, Jacob. Sérieux, quoi. J'arrive pas à croire que tu lui aies roulé une pelle. Oh. Et en plus, devant tout le monde. Putain de merde, Emma. T'as quel âge? 12 ans? Non, mais Nick, oui. Enfin... Tu sais que j'adore ce mec, mais je crois pas qu'il ait déjà vu une nana à poil. Je suis désolée de te dire ça, mais j'ai eu sa langue au fond de la gorge et je peux te dire qu'il sait comment s'en servir. La meuf, elle vient le voir pour dire ça. J'adore ça, me prendre pour un con. Arrête de faire la gueule, s'il te plaît. La soirée était pas censée se passer comme ça. Quoi? Écoute, oh merde. Non. Qu'est-ce qu'on dit? Elle est pas si bête que ça, elle. Je l'aime okay. bien. Tu peux rester là à bouder et à t'énerver en imaginant la langue de Nick dans ma bouche. Ah, s'il te plaît. Ou tu peux aller nous chercher des serviettes. Oh mon dieu. Pourquoi tu veux des serviettes? Bah, on pour avait dit tes larmes, bouffon. Juste pendant l'été. Et devine quoi? L'été n'est pas encore terminé.
Ok. Oh, mais quel coq, lui, hein, putain, c'est... Quel coq. Elle, il faut que je la garde en vie parce que elle a pas l'air si bête. Je vous le dis. Elle a vraiment pas l'air si bête. What? Oh, merde. C'est qui, ça? Oh, merde, c'est qui, ça? Ah, tu casses les couilles, hein. Il casse les couilles. Il casse les couilles. Il faut qu'il répare la voiture, lui, hein. Sinon, on va tous crever. Oh, la carte! Ouais, Ils l'ont donné, celui-là, pour les nuls comme moi. Après, j'aurais pu passer à côté et en mode la zapper, quoi. C'est pas très vieux. Ah, c'est lui! C'était peut-être pas loin. C'est le mec qu'on vient de voir dans l'eau? Oh. Trouve un gun, là. Pistolet à plasma. C'est quoi, ça? C'était bonbon préféré, là. Mange-les. Bon, bah, les gars, ça sert à rien que j'essaye de trouver quelque chose. J'ai déjà trouvé une carte. Chaquette est ta quête. C'est Edouliagro. Chaquette doit être Monsieur H. Chris Hackett. Golumo et Goluma. Mais voilà. Qui est ta quête? Voilà. C'est eux, les deux loups-garous. Bon. Alors, les serviettes, je suppose, c'est là-haut. Mais je suppose qu'il faut aller là-bas aussi pour choper un easter egg. Oh, ouais, je m'en branle. Oh, attends, il y a un autre truc là-bas. J'ai pas de check là-bas. En tout cas, je tiens à dire que le jeu est sous-optimisé, les gars, parce que j'entends mon PC, frérot. Je l'entends faire vouh. Comme ça, hein. Je l'ai pas très bien optimisé, hein. Donc attention, si vous installez ça, les gars, ça risque de déclencher votre ordinateur. Je peux vous dire que là, il y a tous mes ventilos qui sont à fond. Alors, en fait, j'appuie pas sur A encore, les gars, juste pour voir. Y a pas des trucs. Ok, les jumelles, c'est pas mal, les jumelles. Les jumelles, c'est pas mal. Un solo, WPC solo. Pas de nage sans supervision. Les gars, s'ils ont mis des jumelles, c'est qu'il y a un truc, non? Oh! Oh! Oh. Y'a quelqu'un là-haut? Ah, t'es con, toi, mec. Qu'est-ce que t'es con? Est-ce qu'on voit la même chose que toi? On va supposer qu'il y a rien d'anormal. Qu'est-ce qu'ils sont cons, putain! Est-ce qu'on voit la même chose? Il voit pas la même chose que moi, je crois. Il est complètement con. C'est quoi ces con. Chiffres 2016, 2017. Attends, laisse-moi revoir, non. Afficher le texte. Ok. Encore gérable, mais pour combien de temps? Oh. Sailing rules. Ça, c'est les règles de trucs. Mais en gros, à chaque fois, le 12-03-2016, il y a eu un incident. Le 24-09-2017, il y a eu un incident. Je pense que c'est des dates d'incidents, les gars. Il y a eu 5 incidents. Et apparemment, c'est pour ça qu'il a dit encore gérable, mais pour combien de temps? Règle de navigation, rappel de tous les moniteurs, rincer toutes les barques dans la navigation, attention, baignade interdite. Ranger correctement les barques pour éviter qu'elles se dérodent. Tout en foutant impérativement porter un GS et la barque chavir. Sortir les enfants, ne plongez pas dans les secours. Utiliser une barque pour aller les récupérer. T'as vu, ils veulent pas nager, hein. Personne ne veut nager dans ce lac. Je vais double check. Double check. T'es un vrai gamer.
Oh ! Cinématique intégrée ? Non. Putain, j'y ai cru. Ok, je vais prendre les serviettes qu'il n'y a pas, bien sûr. Oh, c'est pas vrai. Prends des gilets. Y a pas de serviettes ! Aucune ? Non, je l'ai compté, y en a zéro. Connard ! Mais sérieux ? Jacob, reviens par ici, tu veux ? Elle va se faire absorber dans l'eau, je vais devoir la nager. Donc en gros, ce que j'ai lu, c'est qu'il faut que j'utilise une barque pour aller la sauver quand elle va se faire manger par des piranhas. Je ne vais pas nager. Donc on va utiliser cette barque-là. Je suis un PGM. Là, elle m'a dit de revenir, je suis revenu comme un pigeon. Pas de... nage sans supervision. C'est ça cause toujours. Bah, c'est ce qu'on va voir dans la suite de l'histoire. Hein. What? Ok, bon, on pourrait peut-être se laisser sécher. Ou alors se secouer comme des chiens. Waouh, toi, tu sais comment parler aux filles, pas vrai? Ouais. Meilleure mâchoire là. Pas mort. Arrête de elle faire comme si c'était rien passé. Oh, mais si je peux, parce que. Regarde, à l'aide, au secours, je me noie et j'ai besoin elle d'un homme tirer. Grand, fort et extrêmement sûr de lui pour venir me sauver. Il s'est téléporté et aigri. Et voilà. Et voilà, les gars. Et il s'est téléporté. Le mec, ses habits se sont téléportés hors de lui. Et bien sûr, mesdames et messieurs, je ne peux pas choisir d'autre solution que d'être moi-même. Ouais, ben demande à Nick. Je suis sûr qu'il serait ravi de te sauver. Je t'écoute pas. Putain, t'es folle. Waouh, l'eau, elle est magistralement bien faite, je trouve. Emma commence à se lasser. Ah, ok. Ok, je vais te faire payer ça. Tiens. Waouh! J'ai rarement vu de l'eau aussi bien faite dans un jeu vidéo. Arrête oh, waouh! Hey, arrête. Arrête de faire la gueule. C'est du pétrole ou c'est de l'eau? Prends ça, idiote. À l'attaque! Il va se passer un de ces drames, les gars. Oh bah vas-y, prends ton temps, mon frérot. Quel con. Je ne veux pas que ça s'arrête. Prends une photo de moi. Oh putain. Tiens, alors qu'est-ce que vous voulez, les gars? Vous voulez que ça marche entre nous? Parce que moi je sais exactement quoi faire, exactement quelle étape faire pour ne clairement pas avoir de copine ce soir. Ok. Bon. Regarde ça. Ok. Le méga coq. Prends-moi en photo. Ouais, ce sera pour... Oh mon dieu! Peu importe, le top 10 des mecs qui te font du bien en camp de vacances. J'ai droit à 9 de plus? Non. Oh merde. Attends, j'ai bien fait en vrai. Regarde ça, regarde ça, regarde ça! Y'a un truc dans l'eau. J'ai méga bien fait. J'ai sorti de l'eau du coup. Mec, en vrai, ça se trouve, j'ai game break là. Parce que personne n'a fait ce choix. Oh merde, le doigt d'allumeur. Oh non, le con. Putain, quelle merde. Aider Abby, plonger. Mais fuck Abby, frérot. Si on n'a pas l'allumeur, on est tous morts sur la voiture.
Jacob. Du coup, elle va savoir, elle. Mais attends, mais qu'est-ce qu'il est con ce garçon quand même. Oh le con. Aïe. Aïe. Oh qu'est-ce que t'es con toi. Oh qu'est-ce que t'es con. Oh t'es con. Oh merde. Attends, mais c'était pas des barbelés. Putain, t'as de la chance, t'es pas une méduse. Attraper, jaillir. Je sais pas pourquoi, mais il faut que je jaillisse. Mais c'est quoi cette strat de merde? Ok, donnez-moi la définition de jaillir, les gars. Ah, merde. Jaillir hors de l'eau. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je pensais que jaillir, c'était genre mettre un coup de boost pour choper le truc. Mais qui aurait fait ce choix de jaillir et pas ramasser le truc? J'ai tué tout le monde! Oh, j'ai tué tout le monde! Sérieux, Kevin, t'as foutu un sacré bordel, je dois dire. Ou peut-être que j'ai donné un coup de pouce à Abby? T'es un génie du mal. Ça, jaillir, c'est genre. Tu vas faire le premier pas, attendez. Petit coup de boost pour choper le truc, quoi, non? Oh, bonne question. D'où y aurait pas une option de pas ramasser le truc? Aucun des deux. Je sais pas, Nick a une bête en lui. Si par bête, tu veux dire un fan tout mignon et timide. Te laisse pas avoir, papa. Son style de bourge bien sage. Il a des abdos en acier trempé sous son t-shirt. Sortir, c'est lancer, tu vois. Sortir, c'est lancer. Alors, t'as remarqué aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On continue de jouer. Tu m'as fait jaillir de ma chaise, par contre. Ok, Dylan. Action ou... Yes! C'était pas Abby? Tu voulais de l'action? Bah voilà, mon frérot. Il faut qu'on l'aide. Ça venait d'où ce bruit? Par là. Viens. Yes! N'y va pas. Oui! Oui! Abby! À l'aide! Pitié! Putain, ils ont fait vite! Aidez-le! Où est Nick? Que s'est-il passé? En vrai, si elle dit rien, vas-y, hey, raconte. Qu'est-ce qui s'est passé? Abby, qu'est-ce qui s'est passé? Ryan! Faut qu'on sache. Parle, grognasse! Dead, laisse-la se reprendre. Va chercher Nick, vite! Mais qu'est-ce qu'elle est bête, mec! Ils sont tous bêtes, mourir tous. Réticent, tu devrais le faire. Elle m'a filé le fusil à bombe. En mode, vas-y, va chercher Nick! Non. sûr de lui? Non. Peut-être. Va te faire, toi! C'est toi la tireuse d'élite! Je dois aider Abby! Vas-y! Il est peut-être blessé aussi! Vous baissez dans l'estime. Faut que tu fasses gaffe, ce fusil a une dispersion de malade! Mais pourquoi tu fais pas, toi? Gorgogne! Forceuse de merde! Dès qu'il faut partir à la guerre, hein. Aïe, aïe, aïe. J'aurais pas dû dire ça. Masculiniste, France 5, c'est terminé. Putain, le fusil à pompe, on dirait le jouet, là. Tu sais, que t'achètes, là, pour ton gosse de 3 ans, là. Prendre le raccourci, mais bien sûr. Je suis un maître du QTE, donc c'est pas très grave. Clac-clouc. Clic-clac. Je peux stratégiquement me prendre un bout de bois dans la gueule aussi, je crois. Hein. N'oubliez pas, les gars. Le tue pas tout de suite. T'inquiète. C'est impossible. Je vais pas le tuer tout de suite, lui. Lui, je l'aime bien, mais il me casse les couilles. Il est supposé être au courant de ce qui se passe, tu sais. Mais vas-y, prends le raccourci, là. Casse pas les couilles. Les vieux QTE foireux, là. C'est
stratégiquement. Mais sérieux, c'est quoi? C'est quoi ce boulet? Des énormes rochers, tu sais. Il reprend son souffle entre chaque rocher, quoi. Il dit. Ok. Oh, j'aurais peut-être dû me prendre la marche. Je suis pas sûr. Clic. Oh, j'ai eu le succès Nick of Time. Qu'est-ce que tu fais? Appeler? Appeler, ça veut dire quoi? Appeler. Non, hé, hey, c'est quoi cette traduction? Appeler. J'appelle qui? Les keufs? Non mais frérot, appeler qui? Les keufs? Hé, hey, lâchez-le tout de suite, putain. Arrêtez, arrêtez. Où je tire? Il y a John Cena qui est en train de sauver là. Attends, attends. Non. Regardez. Je tire que dalle, mon frérot. T'es malade, toi, quoi. T'es fou. John Cena, c'est notre pote. Il tirait pas sur nous en plus. Ah, putain, il nous tire dessus. Ah, ok, donc il est contaminé. Ok, il va devenir un loup-garou. Ok. Merci, frérot. Magnifique. Mais c'est quoi cette histoire, là? On connaît tout par cœur. Inventez de nouveaux trucs, là. Un dividende, vous avez mindfuck. Tu peux marcher? Je peux. Allez, cours, cours. Je te ramène au feu de camp. Ah, mec, c'est... J'aurais peut-être pas dû appeler. J'aurais peut-être pas dû appeler, les gars. Ça se trouve, j'aurais rien dit. Il m'aurait dit un truc. Fait chier. Ah, mais quel con, quel con, quel con. Putain. Mais attends, mais j'ai pas dit ça. Eh oh. Eh, je t'ai dit d'aller chercher le truc dans l'eau, toi, connard. Oh, le con, il s'est même pas rhabillé. Merde. Ce débile. Oh, putain. Et les moustiques là, t'as pas peur des moustiques, frérot? Ils vont te graille. Il y a une meuf presque à poil qui m'attend là-bas, qu'est-ce que je fous? Ah, ok. C'est bien la question que je me pose ici. Qu'est-ce que tu fous, gros con? Mec, il a même pas les fringues pour se faire dévorer, c'est magnifique. Ok. Ah, c'est sanglier qui vient de se faire bouffer. Bon, Jacob, je l'aime bien, les gars, et c'est le seul que j'ai vraiment envie de sauver. Appeler. Non, 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 t'es fou, toi, quoi. C'est bon, je vois ce que c'est appeler maintenant. Eh oh! Mais t'es con, quoi? Mais frérot! Mais... Mec! J'ai pas cliqué sur appeler, le mec fait eh oh! Et voilà, et bah chier. Ça se trouve là, il faut rien faire. Merde! J'ai gagné. Oh le con. Putain! Oh le con. John Cena, c'est pas moi! Allez. Ok. Vous savez ce que j'aimais dans les autres, c'est que là, il y avait un moyen de rien dire, de juste fermer sa gueule. Menaçant, vous êtes qui, putain? Suppliant, lâchez-moi. Vous êtes qui, putain? Allez vous faire foutre, enfoiré! Méga menaçant, putain, waouh. Ah mais putain, merde, mais qu'est-ce que vous foutez? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Non, pas les selles, s'il te plaît, pas les selles. Et voilà, je savais qu'il était gentil, Dolcina. Sale enfoiré.
J'aurais dû supplier. Les options sont nulles. Vous foutez quoi? Chut, la ferme. Yes. Lancer de la terre. Bon, je lancerai de la terre, frérot. Il me sauve la ville, mec. Je te conseille de fermer les yeux. Vous foutez quoi? Chut. Chut. Au secours. C'est pas bon, je sais. Mais c'est pour ton bien. Maintenant, où t'es passée, ma petite? Voilà. Non, mais... Les gars, c'est sûr. C'est quoi ce bordel? Maintenant, où t'es passée, ma petite? C'est une merde. Putain, j'aurais dû récupérer le truc dans l'eau. J'ai vraiment les boules. J'ai vraiment les boules de pas avoir pris le truc de la voiture. Le temps est passé tellement vite depuis votre dernière vie. Je sens que ça va me coûter très cher. Bien. Alors, qu'avons-nous là? Jaïr, mec, en même temps, mec. Quel mot de merde! Les étoiles brillent dans le ciel nocturne. Des balises lumineuses, des rêves d'espoir, ou un rappel de votre insignifiance. La crainte du tourment, croyez-en la lumière des étoiles, car elles apportent la clarté. Bah non, parce qu'il aurait fallu et que parfois je trouve un autre une tuyau, donc bon. Preuve. Souvenez-vous, la vérité dépasse toujours les apparences. Bon, accouche! Voulez-vous que je vous montre? Bien sûr, parce que sinon je vais avoir une voix à 3% et si j'ai une voix à 3%, bah les gens ils vont me casser la gueule. La torche est sur Emma. Emma elle a pris une photo. D'accord. Allez, partez. Retournez. Attends, excuse-moi frérot, mais... J'en ai loupé deux pour le moment. Alors, Emma... rentre, elle est à poil, d'accord? Et elle prend la photo, donc peut-être ils aiment pas le flash. Peut-être qu'ils aiment pas le flash, frérot, non? Mais du coup, elle a l'air saine et sauve après, non? Donc elle le prend en photo avec le flash et quoi? Hackett Quarry. Bon. Reprenez la route de Hackett Quarry. On verra. Vous allez bien vous amuser. Emma, Jacob, je veux qu'il reste en vie. Voilà. Elle est habillée? Non, elle est pas habillée, frérot. Elle était encore en... C'était horrible. En maillot de bain? C'était... Je sais même pas ce que c'était. C'était super rapide et il y avait un chasseur. Et c'était juste... Oh, Abby. Tiens. Quoi? Essaie de le dessiner. Dessiner quoi? Bah, la chose qui vous a attaqué. Vas-y. En vrai, je l'aurais aidé, c'était fini en fait. Genre, faut pas aider les gens, je crois. Et ça se trouve, j'aurais aidé, je me serais fait mordre. Nick. J'aurais perdu les deux. Hé, mon pote, dis-nous ce qui s'est passé. Une bête a attaqué. Où est Abby? Il est dans le coltard, mec. Il faut qu'on sache ce qui s'est passé. Ok. Il y avait un mec, mais... Il y avait un genre d'animal. De quoi tu parles? Moi, dis-le, un loup-garou, frérot. C'est bon, ça. Abby, c'est bon. Est-ce que j'ai... Abby? Elle va bien, mec, elle est juste là. De grandes griffes et des dents au-dessus de moi. Je crois que c'était un ours. Un ours l'aurait broyé. Mais ils sont trop cons, mec! Il n'y a pas d'ours par ici. Non! Oh merde! Regarde ça! Attends. Ce trou noir là, c'est infecté et ça se propage, ça craint de ouf, mec, ça craint! ça craint! Appuyez, bah non. Ah non, tu touches pas à ça, frérot. Ryan. Touche pas à ça, mon frérot. Faut qu'on l'ampute.
Ouais. On devrait couper avant que l'infection se propage. Oh le fou. Imbécile. Vas-y, frustré ou... Vas-y, moi je suis d'accord, hein, pute-le. Pourquoi on ferait ça? Comme dans Walking J'sais Dead. Ah mec, t'as vu ce truc noir? Qu'est-ce que c'est, tu crois? J'ai la gueule d'un docteur. Je me souviens pas très bien, je suis même pas sûre de ce que j'ai vu. Putain de merde. Aïe, aïe, aïe. Ok. Oh putain! J'appelle, alors qu'est-ce que je fais? J'appelle, je dis, eh oh, il y a quelqu'un? Si c'est un méchant, bah on s'en bat les couilles, on est tous ensemble, on le chope. Si c'est le vieux, on s'en bat les couilles, je vois pas ce que ça... Vas-y, allez, allez, tais-toi! Qui est là? Chut. Ryan, et si c'était Jacob ou Emma? Et si c'était pas eux? Oh, fais attention! Je tire que dalle, frérot, t'es fou quoi, toi? C'est bon. C'était sûrement rien. Ouais. Mais c'est encore là? Ouais, vas-y, tire-toi! Ok, heureusement que j'ai pas appelé, hein. Quel courage. Très bien. Alors, on pourrait peut-être retourner au chalet maintenant, non? En vrai, j'aurais... En vrai, j'aurais bien tiré. Attends, non, 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 tire pas, tire pas. Putain, je suis un boss. Je suis un boss. Quel bouffon lui aussi à se cacher tout nu dans les bois là! Nick. Il va bien? Nick et Abby ont été attaqués. Dans les bois. Est-ce que quelqu'un a des fringues sèches parce que je me les gèle sévère? Tous nos sacs sont encore dans le van. Et merde, évidemment. Que s'est-il passé? Préoccupé, où est Emma? Vas-y. Jacob? Elle est où, Emma? Merde! Oh, bordel de merde! Je l'ai laissée. J'ai laissé Emma sur l'île et je lui ai dit que je revenais tout de suite. Oh. Attends, sur l'île? Oui, pourquoi? Rien, c'est juste... J'ai cru voir quelqu'un là-bas tout à l'heure. Oh, merde. Quelqu'un? Non, enfin, écoute, je sais pas... Ils sont trop cons, les gars! Je suis là-bas toute seule. Je crois qu'on va retourner au chalet. Couvert de... ce que j'espère être du ketchup. Ah ouais, non, je crois que c'est du sang. Il y avait un mec et il avait une bouteille. Bon, on en parle plus tard, c'est une longue histoire. Ouais, non, je sais, c'est flippant. Faut que j'aille chercher Emma. Excuse-moi. Hey, j'en ai besoin, ok? C'est dangereux là-bas. Mec, il faut qu'on protège Nick et Abby. Ouais, et moi je dois sauver Emma. Elle est là-bas toute seule. Tu sais même pas si elle est en danger. Vous non plus, vous savez pas. Tu fais quoi là? T'essaies de m'énerver? Non, j'essaie de sauver la vie de ma copine, espèce de connard. Je crois pas que ce soit ta copine, mec. Attends, attends. Si je clique sur A, il lâche ou il lâche pas? En vrai, il faudrait peut-être que je force à prendre le fusil, mais... Mais tu sais quoi? Vas-y, garde-le, j'ai des muscles. Putain de merde! J'ai fait exprès de louper, là. Putain, mais stop! On est dans la merde, là, les gars! J'ai fait exprès de louper, là. Arrêtez de faire vos connards, tous les deux! Jacob, c'est nous qui le gardons. Nick et Abby sont blessés. On doit les protéger. Il y a quelqu'un dans les bois. Il fallait que je fasse le QTE pour... Ryan! Pour faire exprès de rater? C'est quoi ce jeu de débile? Faites tous chier!
Assure-toi qu'elle va bien. Si elle est sur l'île... Ah, je jouais Ryan ! Quoi ? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi ? Vous risquez de retomber sur l'espèce de bûcheron consanguin ? Non, merci. Il doit y avoir un autre bateau vers la Tyrolienne. De toute façon, je suis capable d'atteindre... Comment je... Ah, merde, je suis trop con. Ah, je suis trop con, sa mère. Relis d'ici. Ah, j'ai appuyé sur ça pour une pause, j'ai la gueule du mec. Faut qu'on retourne au chalet et qu'on trouve de l'aide. Comment on fait ? Nick peut même plus marcher. Hé, j'ai une idée. Donc j'aurais dû esquiver en fait. Ok, on verra ce que la nuit me réserve. Ok, vous voulez une devinette ? Qu'est-ce qui a deux pouces et qui se retrouve toute seule sur une île flippante au beau milieu de la nuit ? Mais t'es sérieuse toi ? Cette débile ! Enfin, un pouce. J'ai un seul pouce de libre. Enfin. Et c'est ici. Sur cette île étrange et inhabitée, que cette courageuse jeune fille s'est retrouvée. Tiens, 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 pleine lune et loup-garou. Pour tout vous dire, je suis actuellement sur une petite île bizarre, toute seule, sans rien à faire d'autre que vous la faire visiter. Alors, il y a une petite cabane dans ces arbres. Je vais aller voir si je peux pas vous faire un chouette, chouette panoramique de là-haut. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons ? Voilà le problème. J'ai pas envie d'y retourner, c'est clair. Mais même si je le voulais, je pourrais pas. Parce que dans ce cas, c'est moi qui passerai pour la nana qui s'accroche, alors que c'est lui qui s'est tiré à la base. Désolée de revenir là-dessus. Bon, changeons de sujet. Vous savez quoi ? On s'en fout. Allez, on y va. À la cabane, chers explorateurs. Wouhou. Alors avant, il me faut une petite carte, s'il te plaît. Imagine, tu vas pas à la cabane et genre tu reviens en arrière. Et tu gagnes. Et ça, c'est l'abri de rassemblement. C'est un abri où on se rassemble. Ok, j'essaie vraiment de faire ça intéressant, mais. Qu'est-ce que c'est que cette merde là ? Parfois, y a rien à ajouter. Tout est dans le nom. Waouh ! Je crois que j'ai tout dit. Super utile, merci les devs ! Waouh ! Oh, merci, hein. Waouh. 30 secondes de ma vie évaporée. Terminé. Allez, barre-toi. On va même pas à la cabane. Je peux ? Imagine, je peux. Le game break. Imagine, je peux. Toi, Jacob ? Oh, merde ! Mais d'où les mecs se disparaissent comme ça, frérot ? Hey, yeah ! Tu vois ça ? Oh, mec, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Et saute dans l'eau, casse-toi maintenant. Très bien, bon, on est obligé d'aller à la cabane. Vraiment BG celui-là ? Ah, je sais, frérot. Bon, je vais pas vous faire un dessin. Vous savez tous où je suis. Je les ai jamais utilisées. Honnêtement, elles sont un peu trop roots pour moi. D'ailleurs, j'ai jamais vraiment réfléchi à où ça allait après. Oh, sérieux, non. Ok, on va passer à autre chose et oublier ça. Eh ouais. Ouais. Tu viens de te baigner dans la pisse et dans la crotte de tout le monde. Et en plus, il y a des cadavres, si seulement tu savais ce qu'il y avait dans l'eau, idiot. Alors, cette île est une partie de la carrière pas exploitée qui est redevenue sauvage quand elle a été inondée pour faire le lac. C'est cool, non ? En fait, quand j'étais petite, je croyais que les îles flottaient au milieu de l'océan, qu'il n'y avait rien en dessous, comme un matelas gonflable. Mais j'ai grandi et j'ai fait des études et j'ai appris que les choses ne sont pas toujours ce qu'on croit.
Comme par exemple quand on veut s'amuser un peu pendant l'été et qu'on se retrouve à materner un gros bébé poilu. Qui déprime parce que tu veux pas être sa copine et lui écrire des lettres d'amour tous les jours. Et puisqu'on en parle, ça vous gêne pas qu'on en parle, pas vrai? Pourquoi ce serait à moi de justifier ce que je ressens alors que c'est lui qui me dégueule ses sentiments au visage, sérieux? Oh, regardez. Une métaphore dans la narration. Enfin, un embranchement. Fascinant. Ta gueule! Voilà la grande question. Est-ce que je prends de la hauteur, littéralement, et que j'oublie tout ça? Ou est-ce que je reste sur le même chemin en continuant de me plaindre de ma vie? Bon, ben, vu qu'on n'est pas en direct, je vais devoir décider. Prends le chemin direct. Les gars, je prends le chemin direct, ok? Parce que... Oh, et puis merde. On est déjà en plein dedans. En c'est haut, un peu tard pour changer de voie. Il y a les cabanes. Parce que vous savez quoi? J'avais vraiment hâte de vivre le prochain chapitre de ma vie. C'est vrai, cet été, c'était sympa, mais ce qui m'attend... Non, mais sérieux. Je sais que quand je posterai ça... Et c'est ça, là où il y a la vision, les gars. Il sera en plus haut. Qu'un lointain souvenir et... Je sais que c'est juste une nuit, qu'il faut profiter à fond de... Ouais, s'il te plaît, le gars, mange-la. Mange-la maintenant. Je crois... que je veux pas me contenter de tout ce qui m'entoure, vous voyez. Abby me voit comme... une fille sûre d'elle, mais... Mangez-la! J'essaie désespérément de pas me noyer dans un monde où tout le monde veut être différent. J'ai pas vu un truc, là? J'ai pas vu un truc, là, les gars? Bon, bah, tant pis. Ah putain, je sais pas ce que je fais là. J'aurais peut-être dû prendre des escaliers. Mais ils peuvent pas autant me punir d'avoir pris un sentier et pas des escaliers, quoi. C'est plutôt marrant en fait. J'ai l'impression que c'est la première fois que je suis seule de tout l'été. J'aime bien ça. Je suppose que ça confirme ce que je pensais pour Jacob. Je sais qu'il était censé venir me chercher, mais maintenant que je suis seule, ça me plaît bien. Désolée, Jacob, si tu me regardes. C'est pas contre toi. C'est un moment à moi. Tu m'en veux pas? Non. Quand tu vas crever, qu'on va te voir sur ton téléphone, on va rompiche. Lequel serait le moins chiant? En fait, non, ça va pas. C'est mieux en tant que souvenir. En fait, non. Tout va pas bien. Tu m'as planté sur cette île flippante. Je te promets que je vais te faire payer ça. Alors, voyons ça. Réfléchissons. Qu'est-ce que je vais faire? Attacher ses lacets ensemble? Non, c'est trop puéril. Je suis même pas sûre que Jacob sache faire ses lacets tout seul, pour être totalement honnête. Des laxatifs dans son verre? Je crois que c'est illégal. Allez, faut que je trouve l'inspiration. Je vous demanderai bien de me donner quelques idées en commentaire. À qui tu parles? C'est parti depuis longtemps quand je posterai ça. Je pourrais lui faire des saloperies en caméra. Elle est morte là. Non, non, ces vidéos ont toujours l'air trop fake. Sérieux, il y a vraiment plus rien d'authentique de nos joies. Elle est morte là, il va y avoir un truc derrière. Je fais que de regarder derrière. Oh, je suis tellement... Oh non. Oh non, putain. Maintenant que j'y pense, comment ça aurait pu être Monsieur H alors qu'il était au chalet? Ah, c'est elle qui avait vu la fumée, ouais, tout à l'heure. Maître Corbeau sur un arbre perché. Mais garde-les, non? Fous le feu à la cabane et t'as gagné. Idiote. Elle donne une carte là.
Si je double 4, c'est impossible par contre. Je vous le dis. Oh, attends, non, pas possible. Double carte, vraiment? Ah, ça se trouve, ça va me softlock. Si ça me softlock, je vais trigger. Tout. Vraiment là. Non, tout à l'heure, il va y avoir un bateau qui va venir me chercher ici, c'est sûr. Il va venir en bateau. C'est bon, je l'ai. J'ai déjà l'histoire. Désolé du spoiler, les gars. Balez-moi. Jacob, il va arriver en bateau. Je vais devoir grimper avec une main, je crois. Oh! J'aime pas beaucoup ce bruit. Oh merde. Mets ton portable dans ton soutif, non? Juste pour info, je suis une bête au grimpage d'échelle. Ah ouais? Très bien. Voici la luxueuse cabane dans les arbres. Putain, comme vous le voyez. C'est là où il y a le... Construite en 1800 je sais plus combien par un aveugle manchot qui a pris soin d'utiliser... Vous êtes prêts les gars, on va rencontrer, pourri, enfin. Des clous rouillés et de la bave de bouc de très bonne qualité. À deux doigts de la faire mourir instant. Un chef d'œuvre, classique des hackettes. Chérie, je suis rentrée. Qu'est-ce que tu dis? J'ai oublié de coucher les enfants? Eh ben, charmante façon de m'accueillir. Profitez-en bien. C'est une expérience de colo authentique que je vous offre. Non, non. Oh, regardez. On dirait bien que quelqu'un a oublié de faire le ménage. J'imagine qu'un des gamins a oublié ses affaires, ou peut-être un des moniteurs. C'est maintenant. Mais ça, ça me dit rien du tout. Vous avez entendu? Je crois qu'on a une décision à prendre. Est-ce qu'on fouille dans les affaires de quelqu'un? Ou est-ce qu'on ouvre la trappe qui fait peur et on meurt d'une mort horrible et douloureuse? Il n'y a clairement pas de bonne solution. Hein? Oh non, c'est trop. Oh, c'est trop, je déteste ce genre de décision. Alors, j'ouvre la trappe, le monstre hip hop. Ok, c'était quoi cette... Ok. On a plus d'infos, les gars, je vais regarder une dernière fois la carte... Elle arrive, gna gna gna, elle ouvre la trappe, le bordel tombe et elle le prend en photo. T'es sûr? Regarde. C'est sûr, le... quand tu ouvres la trappe, le truc tombe. Donc en soi, il faut pas ouvrir la trappe, non? Mais elle a un t-shirt quand elle prend la photo, ça qui est chelou. Les gars, regardez. Elle a un t-shirt! Va pour le sac! Et vous savez quoi? Je vais me rhabiller. C'est fini de vous rincer l'œil. Merde! Attends, c'est peut-être pas ouf là ce que j'ai fait là. Oh oui. MDR. Chouette. Tu peux pas trouver un fusil à pompe aussi? Ok. Je crois qu'il y a quelque chose là. Non, n'y va pas. Je vais pas flipper ma race. Ça, je peux jouer. Mais non, mais elle va quand même l'ouvrir, mec. Mais qu'est-ce qu'elle est conne. Mais qu'est-ce que t'es conne. Adieu, monde cruel. Le rideau va tomber sur ma vie. Il est trop tard pour le rappel. Cigone, frérot!
utiliser le répulsif à ours. C'est quoi le répulsif à ours? Ah oui, c'est le pchit. Attends, mais... Attends, elle a pris une photo, frérot. Elle a pris une photo, mec. C'est quoi ces indices de merde? Donc là, elle est fringuée, ok? Dans cette situation, elle le prend en photo. Il a pas l'air... Répulsif, hein. Pourquoi elle prendrait une photo, frérot? Comment elle peut prendre une photo, genre? Le taser, faut aller au contact, j'aime pas trop ça. Attends, j'ai un timer ou pas? Ah, j'ai un timer, j'utilise rien. Oh les gars, attendez! Rien! Oh, je l'ai! Pourquoi agresser le monstre alors qu'il ne m'a pas encore agressé? J'ai gagné! J'ai gagné! Tu sais, je m'attendais à absolument tout, sauf à ça. GG, tu as gagné Pepe Love. J'arrive. So good low clear LOL nous même DR. Il est encore plus aigri que d'habitude.
Eh ben, tes théories sont aussi flinguées que ta Zarya. En tout cas, GG, bute-les tous. Ok, bon. Les gars. Les gars. Au moins, j'ai été le seul. J'aurais été le seul au monde à faire ce choix-là. Ça se trouve, elle a encore envie. Les gars. Ça se trouve, elle a encore envie, les gars, non? Pourquoi baisser les bras tout de suite, là? Doucement. Pas de soucis, il va bien. T'as pas trop mal? Non, non, désolé, j'ai super faim. On va te trouver quelque chose à manger, d'accord? Oui, d'accord. Allez, allez. Oh putain, je boufferai un cheval. Bah, je sais pas si on pourra te trouver un cheval, mais... peut-être du muesli? Oh, Burke, je déteste le muesli. Attends, mais c'est une cinématique et j'ai... Y'a des cadres dans les cinématiques, frérot? Waouh! Mec, c'est le monstre... C'est avec ça qu'on ouvre la porte de l'infirmerie, doit-il. En fait, ce que j'ai pas aimé, les gars, j'ai pas aimé le fait qu'elle ouvre quand même la trappe. Quoi qu'il arrive. J'ai pas aimé. Tout ce qu'il faut. J'espère qu'on pourra au moins nettoyer ses blessures. Je vais te chercher à manger. Il va devenir un loup-garou, lui, ça va être vite vu. Toi et moi, on va chercher un téléphone fixe. Oh, ouais, y en a pas un dans le bureau de Monsieur H? Si. On vous rejoindra. Prends le fusil, je t'en supplie, toi. Hein. Prudent, tu crois que ça peut suivre leur odeur? J'espère que tout le monde va bien. Tu crois que ce qui les a attaqués dans les bois peut... Je sais pas, que ça peut suivre leur odeur? Quoi? J'en sais rien, peut-être que ce truc a pris goût au sang et que maintenant il essaie de les traquer. Je crois pas, non. J'ai l'impression que si on reste avec eux, on sera en danger, tu crois pas? Non, je pense vraiment pas que ce qui les a attaqués dans les bois. Et Ryan, je le bute direct. Voilà, champ. J'ai dit. Ok, ouais. Ouais, t'as sûrement raison. Ok, y'a un mec là, il a envie d'argumenter. Genre, t'as une bête devant toi avec taser et bombe lacrymo, tu fais rien. Et pourquoi agresser la bête alors qu'elle m'a pas agressé encore? Allez, faut qu'on appelle les secours. Ça fait bizarre de voir cet endroit aussi vide. Agresseur, va. T'es jamais venu ici la nuit pendant la colo? Quoi? Non, toi aussi? Deux fois. Mec, y'a un monde où là je fais rien et le monstre il devient mon pote. Y'a un monde! Tu vas où là? Vous vous rendez pas compte de la viciosité de ces jeux là? J'ai cru que... Y'a un monde où tu lui dis vas-y utilise le taser, elle fait eh, elle se loupe et elle se fait trancher la gorge. Y'a un monde où elle utilise la gaz lacrymo, elle fait elle vise mal, elle se fait trancher la gorge. Y'a un monde. Quelqu'un m'appelait. J'ai rien entendu. On chope le fusil, là, soit pas... Je crois pas que les blessures de Nick soient si graves que ça. En tout cas, cher, elle avait pas qu'à nous... Tu n'en sais rien. On n'est pas sûr de ça. Non, c'est vrai, Kathleen l'a dit. Tout ce que je dis, c'est qu'on n'est pas des professionnels, tu vois. On n'en sait rien, il a peut-être la rage ou un truc comme ça. T'es un optimiste, dis donc. J'essaie juste d'être réaliste. Chope-le! Yes! Faut qu'on demande de l'aide. Qui on peut appeler? Rien de pire espoir. Hein. Monsieur H? Je connais que le numéro de cette ligne. Ok, alors police secours. Police secours? Qui appelle ça police secours? J'en sais rien. Enfin bref, ouais. Mais comment... Appelle l'armée de l'air, connard! La police? Une ambulance?